Madame, excusez-moi. Excusez-moi du retard. Oui. J'ai l'impression de vous connaître. Peut-être vous travailliez pas dans une camionnette avant? Alors avec des rideaux et des bougies. Ah, pardon. Bakari, souris, souris pour voir Bakari. Oui. On voit que c'est dedans, on voit que c'est dedans, regardez. Regardez les dents. L'enquilé. Il fait des appels de phare. On y va! Ça va. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille en finance. Et toi? Je travaille dans l'informatique. Ok. Ça va? Tu fais quoi ici? Ça fait longtemps que là? Je suis un petit peu sur les lives comme ça, un coup de temps en temps. Rien de spécial, quoi. Un coup de temps en temps? T'es encore sur ce tapis? Mais c'est bon, pète pas ton câble, il se passe rien. Si tu as t'en avais une plus grosse de bite, on baiserait tête. Mais ça va pas ou quoi, t'es malade? Tu me fous, j'en ai marre, ça fait 10 ans que tu fais ça! Bon, le cours d'aujourd'hui, ça portera sur les détracteurs. Est-ce que les détracteurs. Quelqu'un pourrait me dire quelque chose sur ces créatures, en levant la main? Oui. Ici, Monsieur Bollywood. Vous pouvez juste répéter le nom des créatures, s'il vous plaît, que je sois sûr. Les détraqueurs. Les détraqueurs, alors c'est des gens qui embêtent des personnes, en fait, qui font des lives, tout ça, des vidéos, tout ça, qui viennent après les embêter, les trucs comme ça, non? Non, mais monsieur... Ah d'accord, bah je t'ai envoyé une petite photo. Ils ont vraiment d'accord, tenté quoi, ouais. C'est ouf. Tu m'as envoyé une photo Non, une photo normale. Ah, normale. Oh non. D'accord, allez voir. Dès que j'ai fini, je vais sur Snap et j'accepterai ton invitation. Ok, ça marche, c'est Petit Cochon du 17, mon pseudo sur Snap. Pardon, Petit Cochon. Petit Cochon du 17 sur Snap. Tu sais que je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, Petit Cochon. Ah, bah on verra ça plus tard. Bisous. Ah, bisous. Bisous, là, bisous, là. Post. Jump, one, two, three, no. Holy shit. Can we report green? Since the start of the game, he didn't say anything. I'm sorry, my friend. I'm sorry. Monsieur Makusa, allez-y. J'ai déjà entendu ce mot, Biblius. Mais Libellus, c'est-à-dire que l'étymologie, c'est à faire un libellule et le biblio comme le bibliobus qu'on voit dans le monde des moldus. Malibulus. Si, mais on n'entend pas. Moi, j'ai une réponse. Ouais, oui, allez-y. Vous pouvez répéter. Alors. Bah, en fait, non, on pas, là, s'il vous plaît. C'est un bus qui sert aussi de bibliothèque. Non, c'est pas ça. Vous savez quoi, arrêtez avec vos trucs de bus. On s'en fout. J'entends pas. Non, c'est une bibliothèque qui sert de bus. C'est l'inverse. Allez, chut. J'entends pas. Imagine. Que le plan de circulation aux abords du stade est modifié. Tu viens de Draxler. Pensez-y au moment de planifier. Draxler. Merci. Aurélie Maria. C'est football champagne. Draxler. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. C'est football champagne! C'est football champagne! C'est football champagne! Ah, je me brûle! Quelle reprise! Ça fait quoi? Attends, ça je crois que ça éclaire, non? Quand on en lance. Attends, trop nul. BDP. El crabe. Hola, que tal, el crabe? Hola. Nice. Alors, ceux qui me détractent, je mets des doigts. Mon doigt, il vous plante votre cul plein d'hémorroïdes et je trempe mon doigt dans le sang comme ça et je lèche. Bande de petites salopes que vous êtes, ceux qui me détractent. Y a pas un mec qui peut crier à raboule le sort là? Donc on a dit que la puissance du sort varie en fonction de la puissance du sorcier. Par exemple, la première année aussi pourront repousser des parterres de champifleurs ou des gnomes. Je raboule le sort là. J'aime bien les femmes comme ça dans ton genre. Ah, j'aimerais tellement fumer, hein, juste après l'avoir fait avec toi. D'accord, Jérémy. T'es bouillante, je suis bouillard. D'accord, Jérémy. Bien.
Je serai ton crabe, moi aussi, ton joli crustacé. Regarde. D'accord. Je suis capable de faire pas mal de choses. Moi aussi, je sais le faire, ça. Regarde. Muy caliente. Ah. Tu fais pas le bruit. Chut. Muy caliente. Je serai ton crabe des îles. Oh oui. Oh oui. Tu es si délicieux, si délicate avec moi. Fume pour moi. Oh. Oh. Vas-y, Pépi. Non, attendez. Goutam, vas-y, personne. Pour voir. Il faut deux personnes. Je vais là-dedans. Oui, va avec ouais. Abigail. Yes. Allez, chalet, les mecs. Yes. Ouais. Elle rigole. Pas allez, on les laisse. Ouais, il a dit qu'il a couché avec toi. Qui? Non, mais vraiment, ouais. El Crabe. El Crabe, ouais, sur l'application. Non, mais El Crabe, non, mais rien à voir. El Crabe, je l'ai jamais vu. Et en plus, lui, il enfonce des bouteilles de Jack dans des meufs, mais laisse tomber. Ah ouais, c'est chaud, SNK, quand même, ce que tu fais. Ça me dégueule. Mais pourquoi tu fais ça, SNK? Il n'y a aucun intérêt à faire ça. En plus, ça peut être dangereux pour la fille. Mais il s'en bat les couilles, elle aussi, elle s'en bat les couilles. Hein. Mais juste le bout, quand même. Bah, tu nous enverras les photos sur Discord, SNK, parce que ça doit être un travail. Quoi? Non, non, mais voilà, mais de toute façon, c'est zoomé, donc il n'y a rien d'excitant. C'est zoomé, c'est d'anatomie. Bien joué, Goutam. Ah, oh, mon petit Goutam. Je suis tellement fier de toi. Regarde, Bakary, attends. Regardez l'espoir, Bakary. Chant mon doigt. Putain, il a une Bakary, chant. Oui, je sens. Oui, ça sent bien. J'ai les doigts qui collent. J'ai les doigts qui collent. Mais ouais, ça sent très bon. Abigail, putain, t'es vraiment gentil. Bien joué, Abigail. Et sache que aussi, je suis bicurieux. Moi, j'ai une période de ma vie quand j'étais plus jeune où j'étais attiré vraiment par les hommes. Donc, on a ce point commun. Donc, on est très ouvert d'esprit. Et moi, je suis capable d'écarter. Si t'as envie de, par exemple, mettre un strap, il n'y a pas de souci, arriver derrière moi, il n'y a aucun problème. C'est un jeu voilà, que j'adore faire avec des. Voilà. Hein. Oh, j'aime bien me faire caresser les boules par une langue d'homme. Une langue d'homme, j'adore ça, les belles langues d'homme sur mes bouliches. C'est comme du béton à cette vitesse, non? Ouais. Toi là, ça fait très mal. Non, non, qui m'a poussé? Ah! Noir, ça nageait. Mais qu'est-ce que t'attends? Mais sérieux? Putain, alors, maintenant, faire. Suce mes couilles de pisse, sale fils de chien. Non, mais. Il m'a cassé les couilles, il me parle mal. Tu parles à qui là? J'ai rien dit. Il a dit que tu portais des culottes. Je porte des collants. Bah oui, c'est logique de porter des culottes. Vous portez non, des caleçons. Non, non, des moi, les serpentard filles, elles portent des strings et des tangas. Mouche poutre apparente. Nous, on a des. Mouche poutre apparente. De grosses culottes. Culottes marron derrière. Vous n'êtes pas gêné, vous, hein? Yesh, ouais. Rouge je devant, marron derrière. Les femmes, elles font caca aussi. Yesh. Elles font des caca qui puent. Yesh. On a senti vos toilettes, les griffons d'or, ça pue. Yesh. Il y a plein de petits trucs en coton avec des fichelles, ils sont tous rouges. Salut à tous. D'accord. Plus vite on aura gagné, moins longtemps vous. Arrêtez de me bloquer, c'est énervant. Regarde ce qu'ils font, ils sont en train de me bloquer au spawn. Mais... Sérieux, non mais... Regarde, ils sont... Viens. Putain... Aïe, arrêtez. Non, mais... Aïe, mais non. Vous êtes ah une bande de gamins, sérieux. Regarde ce qu'ils ont fait, ils sont tous tués. Miskin, wallah. Ils doivent aller à la boîte de nuit, c'est daron, c'est des mineurs, frérot. Ils minent du sodium avec leur chicot devant, ils ont du sodium sur la plate des pieds. Mais pourquoi tu fais ce genre, mon frérot? Tu me connais même pas. Frérot, regarde tes lunettes, Hachek. Regarde tes lunettes, Hachek. Regarde tes lunettes, comment elles sont. Tellement les mêmes. Rétro super au futur. C'est de l'italien, poteau. T'as tes lunettes, tu les as achetées au marché d'Aubervilliers, marché de plus de Montreuil. C'est quoi, toi? Toi, je tiens, toi, tu sais rien. Elle s'est repentie, c'est une ancienne prostituée. Et elle m'a dit tu vas prendre le K9 3 quarts. J'en peux plus de toi. La DAS en a marre de toi. Je te offre des cours à Poudlard parce que t'es un peu genouné. Elle a dit ça juste genouné. Genouné. Elle a vraiment dit ça? Oui, parce que d'accord. Des fois je fais des trucs bizarres et il veut pas que ça se sache dans le monde des moldus. Et tes parents, c'est des parents moldus, genre? Non, parce qu'en gros, ma maman, elle est issue d'une destinée de genoune pute. C'est-à-dire qu'en gros, à distance, j'arrive à branlaxe des hommes quand elle les ramène à la maison. Et à chaque fois, ils se finissent
entre eux, au lieu de sauter ma maman, je comprends pas. Ouais, je sais, je vois, qui l'a. Victor, va te faire foutre, là, hein. Si elle ne montre pas son gros poids, cul. Non, mais oh. J'ai une nouvelle résolution, les gars. Je vais sucer des grosses zizi. Allez, gestionne l'incantation, monsieur Killak. J'ai voulu faire un... Oh, oui, j'espère que ça va être la bonne cette fois-ci. Ah, gestionne l'incantation, monsieur Killak, allez-y. Stop. Et moi je suis français, ok. Moi j'ai les papiers, mec. Donc tu commences pas. Ok, y a pas de soucis. Non mais laissez-le parler, les gars. Arrêtez de rigoler. Oui, il a raison. Ça, ouais. Toi, avec ta gueule de con, c'est en fondant qu'on devient un meilleur fondeur. Donc va fonder ton serveur et me casse pas les couilles. C'est qui insulte? Attends deux secondes. Qui a insulté? Qui a osé? Non mais ose me parler mal. Je suis Bertrand Cantat, mec. Bébert, arrête. T'es plutôt un rigolo. Il trop faire le grand chorchier alors qu'il est tout claqué. Regarde, il est obligé d'utiliser ses sorts tellement il a le seum. Allez, mets-moi un sort. T'es trop nul. Ah, t'arrives pas. La honte. Bien joué, Lisa. M'appelle qui là? Ah, t'as envie de pleurer. Laisse-le. T'es une petite pute de suceuse ou quoi? Laisse ton pote se défendre. Non mais écoute, Bertrand, attends. Si je veux t'insulter toutes tes morts les putes jusqu'à l'enterrer ta grand-mère la chienne, je t'insulte ta mère la pute et je te nique tes morts, je t'insulte. Mais là, je suis en train de rester dans le respect avec toi. Alors que tu vas te calmer, s'il te plaît. C'est pas que c'est une tafiole, c'est qu'il est en train d'insulter, que je suis en train de le calmer pour pouvoir calmer les tensions entre nous deux. C'est mieux de calmer les tensions. Non, mais j'ai bien compris qu'il y avait de la tension. Tu sais quoi, j'ai pas envie de te parler, je parlais à tes sbires. Parce que déjà, toi, ferme ta race. Un instant, je parlais à tes sbires. Dans deux secondes, je me tais. Voilà, ok. Est-ce que tu as mis un lubrifiant? Non, je fais ça avec du crachat. Et non, mais alors, essaye plutôt un lubrifiant. Tu verras, ça passera beaucoup mieux. Alors, et s'il a mal, tu y vas d'un coup sec, très fort. Et après, il n'aura plus mal. On va voir ce qu'il va dire. Explique pourquoi tu forces RP sur Killak depuis tout à l'heure. Parce qu'il était marrant. Ok. C'est plutôt parce qu'il est en live, tu veux dire. Oh, j'en étais sûr. Non, mais c'est pour de vrai, je savais pas du tout. Je vous jure, je savais pas du tout. Je me suis dit, j'ai déjà entendu sa voix. Alors, je sais pas, je me suis dit, peut-être c'est lui. Ouais, mais c'est quoi cette excuse, gros? Ça se fait pas. Mais c'est... Au nom de Dieu, c'est vrai. Au nom de Dieu. Non, c'est une bonne femme, ça. T'as envie de rentrer dans mon cul? Oh. Oh oui, j'aime bien, moi. À l'arrêt de mon cul? Non. Tu m'attends là-bas? Ouais. Ouais. Petit coquin. Tu aimes ça, toi? J'adore. Vous inquiétez pas, j'ai l'intention de rien faire par rapport à la société. Merci, sergent. Vous avez surtout l'intention d'avancer maintenant, je suppose. Allez-y. Affirmatif, oui. Tout en vous regardant. Je tiens le regard. Ah, vous êtes bon en moonwalk, sergent. Tiens le regard, tiens. Bien. attendez. Ça... il a fait peur. Il a tenu le regard. Qui commence? Allez-y. Tu veux commencer, Killak? Je veux entendre un vrai colouchou, s'il vous plaît. On va commencer, je ferai le dernier. À chaque fois, j'ai jamais de chatou. Ok, je commence. Vas-y. Colouchou! Ça va ou quoi? Ouais, ça va, ouais. Je voulais te chanter une petite chanson, parce que là, ça a l'air un peu triste. Vas-y. Oh non, vas-y, bouge, t'es sur Twitch, tu te rappelles pas de moi, je suis la dribbleuse. J'ai longtemps parcouru ton corps, effleuré cent fois ton visage, chéri de là. Manon, je sais que tu suis... Putain, mais ta gueule, tu t'appelles pas Manon. Quoi? Arrête, pause. Tu te rappelles pas moi, je suis la dribbleuse que t'as mis sur Twitch. Ça te dit pas quelque chose? La dribbleuse. Qui est décollage non autorisé ou autre. Je me touche bien, je suis heureux. Oups. Alors, parmi tout l'effectif qui était présent sur base, tu devais tomber sur moi. Mais vous n'avez rien entendu? Si, j'ai entendu. Oui, je célébrais simplement ma joie, peut-être dans un futur proche, intégrer la 501ème. J'ai le droit?
Il y a des méthodes, comment on va dire, différentes d'exprimer ta joie. Il est excité. Si tu préfères les jambes un peu plus épichées, touche. What? Elle était plus affûtée que ça. C'est quoi ça, Twitch? Oh, je sais pas, demande-leur. Hein. Peut-être qu'elle a arrêté le foot ou elle est enceinte, je sais pas. Ouais, les gars, c'est quoi Twitch là dans le chat? En fait, tu vois, Twitch, c'est toutes mes putes. Ouais. Tu vois, tous les streamers de Twitch, bah, c'est mes putes. Ah, c'est des streamers, le délire comme YouTube. Ouais, genre, ils sont payés. Ils sont payés à venir sur mon live, tu vois. Je suis gentille. Hein. Mais quoi, ils sont payés? Mais trois fois rien! Sur ton cul, ils encaissent de l'argent? Bah, c'est mes putes, tu vois. Accentué, monsieur Galoutu, accentué. Encore une fois. Peut-être un petit peu plus fort, un petit peu plus d'énergie, monsieur Vito, peut-être. D'accord. Allez-y. Flippin'. Iverson! Oh. Oups. Vous foutez de ma gueule, là? J'ai essayé d'entrer en contact avec le caporal Iverson. Veuillez m'excuser. Vous voulez rencontrer, vous voulez rentrer en contact avec ma main aussi, peut-être? Non, mon caporal. C'est quoi ça? Jérémy, je vais te montrer, j'ai des attaches pour les hommes au lit. Attends, je vais te les montrer. Regarde mes attaches que je mets aux hommes quand je baise avec eux. Attends, deux secondes, regarde ce que tu vas avoir. Je vois ça, je vais prendre tes poignets. Là, je prends tes poignets, je les attache autour du lit. Et je te domine, frérot, parce que t'es ma pute. Tu vois, c'est ça, en fait. Là, t'as tes poignets. Bah, frappe-moi. Mes poignets. Prends des talons, écrase-moi les couilles. Je vais me faire défoncer, Il faut que je recule au max. Hein. C'est que c'est considéré comme du favoritisme. Les trois ici, là, on sort. Je vais viser la main derrière, les gars. Ça va être direct. Oh merde. Bon, bah, voilà, magnifique. Monsieur Galoutchou, allez-y, combattez en haut. Attendez, monsieur. Excusez-moi. Attendez, calmez-vous. Merde, je voulais viser la meuf, il est allé dedans, ce con. Très bien, je vais le faire. J'arrive et que je fais... que je regarde et qu'il y a encore de la merde, vous restez 10 minutes de plus. Très bien. Blanc devant, marron derrière. À vos ordres, mon sergent. C'est bon, le caca. Allez, je lave tout, je lèche. Heureusement que je suis scatophile, j'adore le caca. De toute façon, ils m'ont laissé aucun outil pour laver ce caca. Allez, jusqu'à la dernière goutte de caca. Le caca, c'est délicieux, allez. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je lave ma merde que j'ai laissée ici. Ah, il y a encore du pédoncule ici. Ok, super. Portez go ou... Ah, vis. Histoire de la magie, monsieur Sukuna, sur les 4 combattants. Ouais, allez-y. Et 2-1, allez-y, monsieur Boukabel. Ah, monsieur Boukabel, je vous fais confiance, allez-y. Et voilà! Il a Allez, enlève! Lèche-moi maintenant! Bon, continue comme ça, ça me fait du bien, 40 ans. Vas-y. Tu me regardes comme ça, je fonds. J'aimerais apprendre à percer, à te percer le cœur. Aussitôt, si t'as, ça ne marchera pas. Avec moi, on durera toute la nuit. On le fera si tard, si tôt, la nuit, à 18 ans, l'âge de la fraîcheur, ah oui, la fraîcheur, dites si tôt, je t'aime.